Une résidence artistique, ça serait une rencontre entre juste un artiste et un groupe de personnes. Donc, toute notre classe a pu accueillir Contraste. C'était plutôt sympa, il y a un échange d'expérience qui se fait, qui est assez agréable. On est une formation de constructeurs de décors, donc c'est vrai que pour beaucoup, c'était quand même une première d'avoir une caméra en main ou un appareil photo en main. Nous, on est quand même plutôt habitués au montage des décors et pas à la décision des cadres ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est complètement différent par rapport à ce qu'on est venu faire ici. Mais qui est quand même complémentaire finalement. Ça nous force aussi au travail d'équipe, à l'esprit de groupe qui est assez important du coup. Ouais, c'était assez génial. Moi, c'est avant tout un échange entre un artiste, donc pour le coup Contraste, et donc un groupe, une classe ou un groupe scolaire. Donc un échange artistique, mais aussi technique. On a fait pas mal de choses, donc il y a eu un tout un travail sur la photo et la vidéo, mais aussi sur le dessin et sur la construction, quoi. Enfin, sur vraiment comment on monte une boîte noire et tout le matériel qu'il faut pour pouvoir réaliser ce qu'on a fait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'étais contente parce que c'était vraiment la première fois que je travaillais sur un projet photo. Donc avec vraiment une démarche, enfin quelque chose de concret, un projet final, ce que j'avais jamais fait auparavant. Et du coup, on progresse, ça nous permet de progresser au niveau de la technique.
Regarde pas les journaux, je ne lis pas la télé. Je vis loin du troupeau à qui l'on apprend à appeler. Le soleil se lève et je ferme les volets. Et j'écris ma descente vers les sommets. Toute la journée je suis coincé entre une chaise et un bureau. Le stylo pique est une épée que je sors de son fourreau. Que vais-je bien pouvoir dire à cette feuille blanche qui veut que je la souille? Que je suis flic, elle est suspecte, qu'il faut que je la fouille. Les mains sur le capot, ça va tourner à la bavure. Il n'est question que de violence quand on en vient à l'écriture. Je repars au boulot, au casse-pipe, au charbon pour cracher ma silicose dans mon corps. Corné à piston, je voulais mourir jeune au fond pour pas finir vieux et con. Mais le comble, je m'en rends compte, c'est que je vais mourir jeune et con. Alors j'ai déserté les perspectives d'un monde balisé pour devenir le cliché du rappeur en air dans l'Elysée. Le cliché de ce poète chantant les printemps éternels, les utopies, les paradis, le monde fraternel.